Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à compter sur la grâce de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Et bonjour Jean-Luc, tu es encore avec nous. Merci d'être avec nous. Ça va, t'as survécu à l'émission d'hier? Ah, merci mille fois de me réinviter, ça me fait tant plaisir. Tu vas revenir encore une fois cette semaine, Jean-Luc, en plus. Jeudi, tu seras encore avec nous. Wow, c'est Noël. Ah, c'est Noël. L'abondance du cadeau. On ne veut plus se passer de toi. Non, tu as des choses vraiment formidables à donner. L'émission d'hier était merveilleuse et celle d'aujourd'hui le sera aussi, j'en suis persuadée. Tu as toute une expérience de ministère, je le rappelle. Hein, tu es le président et fondateur de l'IMG et tu es également le fondateur et visionnaire de Europe Shall Be Saved. L'Europe sera sauvée. Amen. Deux ministères qui portent beaucoup, beaucoup de fruits et qu'on aime beaucoup ici à EMCI. Donc, c'est un privilège de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Jean-Luc, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui. De quoi tu vas nous parler dans cette rubrique? La grâce de Dieu qu'on a besoin, pas simplement pour différents aspects religieux, mais aussi notre vie pratique et entre autres la vie de famille. La vie de famille ou la famille même, c'est vraiment sur le cœur de Dieu. Ah, c'est sûr, dans le couple, dans l'éducation des enfants, dans notre gestion au quotidien du foyer, on a besoin de la grâce de Dieu. Absolument. Tu vas nous en parler. Tu es papa de 4 enfants, si je ne me trompe pas. 4 enfants, les deux premières ont trouvé 2 merveilleux gendres, que je considère comme mes propres enfants, donc on est 6. Et la première vient de me donner un petit-fils. Donc, un papa et grand-papa comblé. Oh, fantastique. Wow. Donc, enfin, comblé, je m'attends à avoir plus de petits-enfants. Bah oui, il en prend. S'ils me voient. Les enfants de Jean-Luc, vous savez quoi faire. Hein. En tout cas, tu es pratiquement un expert pour nous parler de ce sujet-là. Et on en parlera en deuxième partie d'émission. Avant ça, on va vraiment parler de cette grâce de Dieu qui est disponible, c'est ça, dans la famille, mais dans notre quotidien. Dans tous les domaines de notre vie, professionnel, spirituel, émotionnel, dans tous les domaines de notre vie. Et on commence avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce matin. J'ai envie de vraiment de vous communiquer ce cœur, ce que vous devez avoir devant le Seigneur, devant toutes les situations qui peuvent vous environner, que la grâce de Dieu, elle est là, elle est disponible. La grâce de Dieu, elle est surnaturelle, tout simplement. C'est une faveur de Dieu. Et c'est la main visible du Seigneur sur nous. C'est sa bonté, c'est sa faveur, c'est sa miséricorde, c'est sa fidélité, parce que Dieu est bon. Il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est miséricordieux. Il est notre papa et il veut nous faire du bien. Si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes enfant de Dieu et vous aussi, vous avez pleinement part à la grâce de Dieu. Vous êtes bénéficiaire de cette grâce et c'est important de le comprendre que Dieu est notre Père et sa grâce envers nous est en fait un droit légitime. Nous avons droit à cette grâce. Elle est disponible dans nos temps difficiles, elle est disponible dans nos questionnements, dans notre marche de tous les jours, elle est là tout le temps. On n'a pas besoin de se débattre, mais on doit tout simplement se reposer sur la grâce de Dieu. C'est pour ça que Paul a pu dire, malgré ses faiblesses, que ta grâce me suffit. Et le psalmiste dit au psaume 23, le verset 4 à 6, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et vraiment, c'est important de voir que la grâce de Dieu nous fait voir que Dieu est avec nous en tout temps. Il est fidèle, il est bon, il est amour. Et même si vous êtes dans une vallée en ce moment, sachez que Dieu est là et vous n'êtes pas livré à vous-même. Réaliser la grâce de Dieu, comme le psalmiste a dit, que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est réaliser la grâce de Dieu produit en nous, en fait, la foi que Dieu est là. Quand bien même je suis dans une vallée, je ne crains rien parce qu'il est là. Et cette foi, une fois qu'elle est réalisée, elle nous donne l'assurance. L'assurance que Dieu va agir parce que Dieu est là. L'assurance que Dieu va agir. Et cette assurance produit en nous la louange. La louange tout simplement de dire que Dieu est là. Donc ça veut dire que je ne peux pas me taire en sa présence. Au contraire, je veux le louer. Je veux l'élever.
m'élever. Je vais l'élever au-dessus de mes circonstances, au-dessus de ce que mes yeux voient. Ma foi va me rappeler que Dieu est avec moi et sa grâce sur ma vie est suffisante. Et il continue en disant, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je crois que David nous partage quatre vérités qu'on doit saisir, que vous et moi devez saisir. La première, c'est que la grâce, elle témoigne en notre faveur. David a dit que Dieu dresse devant lui une table en face de ses adversaires et il fait déborder sa coupe. La grâce de Dieu protège. David a été protégé contre Saül. Il a même fait un cantique que quand l'Éternel lui délivrait de tous ses ennemis et de Saül. La grâce de Dieu travaille en notre faveur. Je vous le répète, vous n'avez pas à lutter tout seul. Dieu est votre papa et Dieu est avec vous. La grâce de Dieu vous sécurise. Il dit que quand bien même je suis dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc dans les vallées des situations impossibles que vous pouviez traverser en ce moment, Dieu est avec vous. Et je veux aussi rajouter que la grâce de Dieu vous distingue. On pense à Esther. Esther a été distinguée au milieu d'autres femmes qui étaient comme elle. Elle a été distinguée. Il y avait la grâce, la faveur de Dieu sur sa vie. Alors aujourd'hui, alors que vous commencez votre journée ou votre soirée, peu importe le moment, je vous invite à relever la tête, à ne pas vous inquiéter parce que la grâce de Dieu est là et la grâce de Dieu vous suffit. Amen, amen. Elle est suffisante, amen. Tellement. Et la plus belle manifestation de la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Amen. L'œuvre de la croix vient nous montrer cette grâce qui est descendue sur nous. On ne le mérite pas, on ne fait rien pour, et pourtant, on a accès au salut éternel, on a accès à la guérison, nos besoins sont pourvus, on a tout, tout est compris. Et c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Et autant on n'a rien fait pour mériter l'œuvre de la croix, au contraire, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait, autant dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, on n'a rien à faire pour mériter cette grâce. Elle est disponible. Et on connaît tous ce verset qui dit, hein, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et ça nous parle d'amertume, hein, de racines d'amertume au milieu de nous. Et on voit qu'on peut se priver de cette grâce. Cette grâce, elle est là, elle est disponible, mais par notre attitude, on peut s'en priver. En refusant de pardonner, on peut se priver de cette grâce. En refusant de compter sur Dieu, de dépendre du Saint-Esprit dans certains domaines, on se prive de cette grâce. Dans plein de domaines de notre vie, on se prive de cette grâce parce qu'en fait, on ne veut pas dépendre de Dieu, on veut faire les choses par nous-mêmes et il faut que ça change. C'est quelque chose vraiment, en tant que chrétien, on doit être au bénéfice de cette grâce en tout temps. Notre verset du jour qui est dans Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il y a la miséricorde de Dieu qui est disponible pour nous au travers du salut. Hein. Dieu est compatissant, il est bon, il est lent à la colère, donc il a cette patience envers nous et pour pourvoir à tous nos besoins, dans tous les domaines. Et on ne parle pas juste de besoins matériels dans ce verset-là, c'est absolument tous nos besoins. Et sans cette grâce, en fait, on est très limité. Et Nadine, cette grâce vient compenser finalement nos incapacités, tout ce qui nous manque en fait. Oui, ben en fait, il y a deux volets. Je crois que la grâce de Dieu, d'abord, en tant que chrétien, on doit se réaliser qu'elle agit en dépit de nos capacités, de notre intellect. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, justement, comme tu dis, qui se reposent sur leur capacité pour trouver un travail, leur capacité pour gérer leur foyer, Jean-Luc va en parler, leur capacité dans les situations de la vie de tous les jours, mais vraiment de chercher toujours à bénéficier de la grâce de Dieu, de ne pas, vraiment la Bible dit de se confier à l'Éternel de tout son cœur, ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse, c'est le Proverbe 3:5, et je crois que c'est important que les personnes puissent réaliser cela, que la grâce de Dieu est là, elle est disponible, la grâce de Dieu me distingue, alors que peut-être que vous êtes dans un contexte où vous cherchez du travail, et que vous dites, ben, tout le monde, il n'y a pas de travail dans mon pays, donc j'en aurai pas, non, comptez sur la grâce de Dieu pour vous donner ce travail-là. La grâce de Dieu est disponible pour vous en tant que mari ou femme, en tant que parent dans votre gestion de vos enfants, parce que elle transcende votre intellect, votre intelligence. C'est d'abord la grâce de Dieu. C'est d'abord qu'est-ce que Dieu dit. C'est d'abord de se confier au Seigneur. C'est d'abord de chercher la sagesse de Dieu. Et même dans des percées, vous avez besoin des percées dans vos finances, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société où chacun se pense qu'il va avancer selon ce qu'il a, en fait. Selon ce qu'il a dans ses mains, selon ce que son gabarit, son intellect, ses accomplissements. Mais vraiment, en tant que chrétien, on doit dépendre de Dieu. Et ceux qui dépendent de Dieu, c'est pas les plus faibles, c'est pas réservé aux plus faibles, c'est à tous de dépendre de Dieu, c'est à tous de s'accrocher à Dieu, c'est à tous de connaître que Dieu est notre Père, et vraiment à tous de rechercher à bénéficier de cette grâce-là, en fait. Si, il faut comprendre qu'on est dans une alliance avec Dieu, et que c'est vraiment une alliance de grâce, en fait, parce que parfois on a tendance à l'oublier, et dans cette alliance, on a l'Esprit de Dieu
de qui on doit dépendre. Et moi, je veux encourager les personnes qui nous écoutent à vraiment prendre pour point de base que ma vie doit dépendre directement du ciel. Amen. Ma vie ne dépend pas de mes capacités, ma vie ne dépend pas de ce qui m'entoure, de mon contexte et de mon environnement, mais ma vie dépend directement du ciel, ma vie dépend directement de Jésus-Christ, ma vie dépend directement du Saint-Esprit. Quand on comprend ça, on ne cherche plus à faire les choses avec ses propres capacités. On ne cherche plus... En fait, le contexte dans lequel on est ne nous influence plus. Mmh. Nos capacités, nous-mêmes, ne nous influencent plus, en fait. Parce qu'on réalise que, en fait, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est la grâce de Dieu qui va parler en ma faveur. On comprend que si on est là où on est aujourd'hui, mais c'est par la grâce de Dieu, et que la grâce de Dieu est encore disponible pour faire des choses plus grandes. Et quand on associe la grâce de Dieu à Dieu lui-même... Mmh. Franchement, la grâce de Dieu, c'est Dieu qui rentre en scène dans notre situation. Amen. Et qui fait les choses de lui-même. Et quand on associe ces deux-là, mais la vision est tellement large, rien n'est impossible. Et un chrétien ne peut pas, en fait, en signant cette alliance, on a signé une alliance de grâce avec Dieu. Oui. C'est pour ça qu'on peut s'approcher du trône de la grâce, en fait. Mm-hmm. C'est parce qu'on a signé cette alliance, on ne doit pas se limiter à nous-mêmes ou à un contexte ou à une situation, mais on doit toujours penser à cette alliance mm-hmm. et aller vers Dieu vraiment avec... en étant content, quoi. Amen. Je pense qu'il y a une incompréhension, des fois, des gens, ils confondent la grâce et la faveur. Oui. Il faut toujours se souvenir que la grâce, c'est le contraire du mérite. Mmh. Et que ce soit du mérite dans le bon ou du mérite dans le pas bon. Que je mérite parce que j'ai fait des bonnes choses ou que je mérite une punition parce que j'ai fait du mal. Mmh. La grâce, c'est le contraire du mérite. Quand je suis gracié, c'est parce que je mérite d'avoir une punition et je ne l'ai pas. Mmh. Et de la même manière, quand j'ai quelque chose de bon, si c'est par grâce, c'est quelque chose que je n'ai pas mérité. Donc il faut toujours se souvenir que la grâce de Dieu, c'est qu'on me fait, on m'accorde quelque chose alors que je ne le mérite pas. Mmh. Et quand on comprend que Dieu me fait grâce, il va me donner des bonnes choses que je ne mérite pas. Mm-hmm. Et les condamnations que je mérite, je ne les ai pas. Amen. Je suis graciée. Amen. Mm-hmm. Magnifique. Ouais. C'est sûr que la grâce, c'est, quand je vous entends parler, c'est juste, ça me touche vraiment profondément. Parce que ça montre qu'on a un Dieu extraordinaire. Mm-hmm. Il y a beaucoup de dieux sur cette planète Terre. Et certaines religions en ont plusieurs. En une journée, ils invoquent plusieurs dieux. Mais il n'y a aucun dieu qui exerce cette façon de grâce où on n'a pas besoin de faire. Mm-hmm. C'est vraiment... cadeau. Oui. Et j'encourage tous ceux qui nous regardent, si vous n'avez jamais accepté Dieu, Jésus-Christ dans votre vie, mm-hmm. invoquez-le, demandez-lui de venir vous sauver et prenez-le comme votre Dieu, l'unique Dieu. Vous serez baigné au-delà de ce que vous pensez. Amen, amen. 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 Quand Paul dit « ta grâce me suffit », il est dans un contexte où il souffre, en fait. Mm-hmm. Il souffre vraiment, il est accablé de partout, il est persécuté de partout, il souffre. Et il soupire après une intervention divine et il va finalement dire « ta grâce me suffit mm-hmm. ». Et c'est comme si à ce moment-là, il dit « ok Seigneur, je lâche, j'essaye plus de contrôler toutes ces choses qui sont tellement lourdes, tellement difficiles à porter mm-hmm. et je crois que ta grâce mm-hmm. me permet de traverser ces situations » sans perdre ma paix, sans perdre ma joie, sans perdre même mon salut dans certains cas, ouais. en restant réellement affermi en toi et en ne me laissant pas déstabiliser. Et c'est hyper fort, on a l'habitude de dire « Ah, ta grâce me suffit », mais si on réfléchit à ce que cette phrase signifie, ça veut dire qu'on peut faire cette prière nous aussi, on peut dire à Dieu « Ta grâce me suffit » dans toutes sortes de situations. On est des fois tellement écrasé, c'est des fois tellement lourd, et on essaye, on dit « Allez, j'essaye encore ça, peut-être que si je fais ça », puis on est presque en train de ramper à terre jusqu'au moment où on lâche prise, puis on dit « Seigneur, ta grâce est suffisante pour tout ça, même si j'y arrive pas, je comprends pas, il y a rien qui est possible, ça semble sans issue, ta grâce est suffisante ». Et quand la grâce de Dieu vient, c'est tellement extraordinaire, on est dans la même situation, les circonstances sont les mêmes, mais on se sent tellement léger, tellement bien, on se sent comme porté par Dieu, et puis là, finalement, tout ce qui nous paraissait impossible devient possible à nos yeux, tout ce qui nous paraissait perdu devient retrouvé, et toute la situation change, et c'est extraordinaire. Oui. Le verset, je l'avais noté ici, il dit, 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit, et il m'a dit,
Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Mmh. Et c'est tellement puissant, c'est vraiment comme tu l'as expliqué. Mmh. Et je vais même le ramener même dans le terre à terre parce que des fois on peut se sentir pas à la hauteur. Pas à la hauteur, on peut se sentir non qualifié parce qu'on n'a pas justement des capacités, un intellect ou quoi que ce soit, mais de reposer sur la grâce de Dieu. Mmh. Et j'ai envie de parler particulièrement à. Par rapport au ministère. Des fois, on peut vraiment avoir des personnes qui nous font sentir comme si on ne mérite pas d'être là, parce qu'on n'a pas le gabarit, on n'a pas on ne vient pas de la bonne famille, on n'a pas le même passé que les autres ou quoi que ce soit. Mais vraiment, si Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi, et de vous-même, vous rappelez à ces personnes-là dans vos pensées que la grâce de Dieu m'a mis là, la grâce de Dieu me qualifie, la grâce de Dieu me suffit. Dans ce que je ne peux pas faire, dans ce que je ne maîtrise pas encore, je vais le maîtriser. Dieu va me porter, comme tu dis, pour que j'y arrive. Et ça, c'est hyper important parce que des fois, nous-mêmes, on se condamne en regardant ce qu'on a devant nous et on se disqualifie. Mais si Dieu t'a qualifié, quelqu'un ne peut pas te disqualifier. Si c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu te met là. Et c'est hyper important de ne pas lâcher spécialement dans ce domaine-là, parce que on vit beaucoup de comparaisons, de condamnations, et puis on peut vraiment, nos propres pensées aussi peuvent nous retenir, mais de vraiment dire je compte sur la grâce de Dieu, sa puissance, je me glorifie, c'est tellement fort comme ouais. Il dit, je me glorifie de mes faiblesses, ouais. Pour vraiment, parce que je laisse toute la place à Dieu, je ne veux même pas prendre rien, je laisse toute la place à Dieu et sa grâce à lui me suffit. Mmh. Le passage que tu prends, c'est un passage tellement clé aujourd'hui pour tant de personnes veulent faire et ils pensent que quand ils sont forts, qu'ils arrivent à prier à haute voix, que quelque chose va se passer. Et ce passage nous révèle vraiment une façon dont Dieu se manifeste. C'est, sa grâce, c'est pas à cause de notre force, c'est à cause de ce qu'on fait et ce qu'on fait bien ou pas bien. Si on veut expérimenter la puissance de Dieu, il y a comme quelque chose que Dieu a créé dans ses règles, dans ses lois spirituelles, c'est plus on est moins par nous-mêmes, plus on arrive à faire moins par nous-mêmes, ou on est dans la faiblesse, comme l'apôtre Paul disait, plus la puissance de Dieu peut venir. Mm-hmm. Et je pense que c'est lié aussi avec le passage qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc quand on est humble, on n'est pas dans l'arrogance, on sait et on veut y arriver. Non, quand on est humble, on est dans une position d'humilité où on a besoin d'aide, on a besoin des autres, et notamment on a besoin de Dieu. Et c'est là que Dieu a la capacité de nous toucher. Amen. Il parle, je pense à une citation que j'avais vue quelque part, c'est « La fin du mois, c'est le commencement de Dieu. » Donc, c'est, dès l'instant c'est vrai. Où c'est bon. On réalise que de nous-mêmes, vraiment, on ne peut rien. Mais là, c'est comme si on ouvrait la porte à Dieu, vraiment, pour qu'il fasse son entrée, pour qu'il puisse prendre les rênes, et pour qu'il puisse se déployer comme lui, il entend, en fait. Et quand Dieu se déploie, comme Nadine a dit, il n'y a plus de limite. Tout devient possible. Et on ne peut plus être qualifié de personne incapable, mais au contraire, c'est les capacités de Dieu qui rentrent en scène et qui font la différence. Tellement. Ah, la grâce de Dieu nous suffit. Alléluia. Amen. C'est bon, cette grâce, elle est disponible pour chacun d'entre nous. Amen. Et on va voir maintenant dans la rubrique famille qu'elle est disponible aussi dans notre foyer. Jean-Luc, je l'ai dit en début d'émission, tu es un papa comblé et un grand-père presque comblé. Je reformule. Il y a le premier parmi les 16 qui vont arriver. Ah, ouais. J'ai toujours dit à mes enfants, j'attends au minimum 4 enfants. Sans pression. C'est ça, c'est la multiplication en fait. Hein. Bon, sans pression. Jean-Luc, tu as élevé tes enfants avec ton épouse pendant toutes ces années. Maintenant, ils sont presque tous adultes. Et tu peux constater les fruits aussi du travail que vous avez fait. Tu as certainement dû faire des bilans positifs, des un peu moins. Et aujourd'hui, tu vas nous partager quelque chose que tu as compris et que je pense chaque parent, chaque homme, chaque femme doit comprendre, qu'on a besoin aussi de la grâce de Dieu dans notre famille. Malgré tous les bons conseils humains qu'on peut avoir, la grâce de Dieu est indispensable. Alors c'est sûr, j'en suis convaincu de ceci. Beaucoup de personnes, de chrétiens, pensent que la grâce est liée qu'à l'aspect religieux, à la vie religieuse, spirituelle. Et la grâce de Dieu est liée à l'ensemble. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et en plus, en ayant un corps dans une vie naturelle, et cette grâce-là, elle est là pour nous, et entre autres, en tant que
personne qui passe de la vie d'enfant à l'adolescence, à la vie d'adulte pour devenir normalement parent, grand-parent, c'est la vie normale. Hein? Mm-hmm. Et puis dans toutes ces étapes de la vie, on a besoin de cette grâce, de la miséricorde de Dieu. Concernant la famille, j'ai lu beaucoup de livres. Surtout mon épouse, il faut quand même que je sois honnête. Si vous venez dans ma chambre à coucher, c'est là que j'ai mes livres. J'en ai également à l'entrée, dans le corridor, j'aime lire. Mm-hmm. Donc j'ai honnêtement des centaines de livres, mais la plupart des livres, c'est concernant le miraculeux, la guérison, la puissance de Dieu, la foi. Évidemment. Et puis, on a quand même un espace qui est sur la famille, qu'on a acheté pour se donner bonne conscience. Et mon épouse, à un moment donné, elle a déplacé les livres de la guérison, du miraculeux, les amis. À l'autre côté de la bibliothèque, elle m'a mis tout près de mon lieu, ceux de la famille. Oh, il y a un message. Donc, on a lu des livres, on a suivi des conseils, on a suivi des cours, des séminaires, écouté des émissions. Ça, c'est important de le faire quand même. Hyper important, parce que ben, y a des gens expérimentés, des gens qui ont reçu une onction, qui ont reçu une révélation et qui donnent des pistes. Mais sans vouloir dire que ce n'est pas bon, la réalité, c'est qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Parce que je vois des familles qui ont suivi les points parfaits, qui ont fait tout juste, et qui, malheureusement, il y a un fruit qui termine qui est amer. À ce jour. Parce qu'il y a toujours une évolution possible et Dieu reste fidèle. Amen. Et puis, il y a des gens qui, à mon avis, n'ont pas fait beaucoup de choses justes. Et puis, ils arrivent avec une famille extraordinaire où il y a de l'harmonie et les enfants suivent le Seigneur. C'est vrai, c'est injuste. C'est injuste et c'est la même chose qu'on parlait hier concernant la guérison. C'est des questions. Mais je pense, de nouveau, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu, on en a besoin au moment où, déjà, pour rencontrer le bon conjoint. Alors, évidemment, en tant que parent, moi, je prie tous les jours, depuis que mes enfants sont nés, pratiquement tous les jours, je prie que le Seigneur puisse le trouver un bon conjoint. Amen. Wow. Depuis tout petit. Oui. Il en reste encore deux. Et puis, je dis, Seigneur, je crois et je prie qu'ils vont trouver un conjoint qui te craint, qui serve le Seigneur. Oui. La même chose, je proclame la parole de Dieu, mais je crois que c'est la grâce. Mm-hmm. Depuis tout petit, et je le déclare tous les jours, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Il n'y a pas d'option. Je dis à mes enfants toujours, il n'y a pas d'option dans cette maison, on va servir l'Éternel. Et c'est pour ça aussi, dès petit, je leur dis, quand vous allez choisir un conjoint, choisissez un conjoint qui va craindre l'Éternel. Parce que l'amour, c'est puissant. Je n'oublierai jamais Jean-Claude Chablot, qui maintenant est auprès du Seigneur, il m'avait toujours dit ceci, il m'a dit, Jean-Luc, il faut se rappeler que l'amour, c'est extraordinaire, c'est essentiel. Mais l'amour dans un couple, dans une famille, passe par des turbulences. Il y a des hauts et des bas. Mais ce qui demeure et qui est stable, c'est la foi. Et c'est comme ceci que j'ai encouragé mes enfants. J'ai dit, écoutez, vous devez, c'est pas une option. On va servir l'Éternel ensemble en famille. Et il vous faut prier que le Seigneur vous mette sur le chemin de quelqu'un qui craint Dieu. Ouais. Combien même, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est mieux. Ça devrait l'être. Ouais, mais j'ai vu certaines personnes qui sont des fois mieux que des chrétiens. Et on pourrait dire, ouais, mais s'il sort avec un non-chrétien, ça va aussi aller. Non, la foi, c'est essentiel et c'est ce que nous croyons. Ouais. Alors, comment arriver à ceci que les enfants suivent le Seigneur? C'est la grâce. Alors, évidemment, il y a des ingrédients, c'est ce qu'on dit, pour faire une bonne soupe aux légumes, il faut des légumes, il faut quelques bonnes carottes, quelques bonnes pommes de terre. Ben, c'est la même chose pour l'éducation des enfants. Tout comme dans la vie de couple, il y a des ingrédients. Avec mon épouse, on essaie, quand je suis à la maison, tous les jours, d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Pas des heures, parce qu'on n'a pas le temps de faire ceci, mais déjà juste de plonger ensemble en tant que couple dans la parole de Dieu, prier, la méditer et prier ensemble. On fait ceci depuis qu'on fréquente, avant même qu'on soit marié. Ah oui. Et on a gardé ceci. Et la même chose, ensuite, bah, ça devient quelque chose de naturel pour ses enfants. Avant le repas, on priait. Avant de mettre les enfants au lit, on en priait, on les bénissait. Chaque fois quand je rentrais tard, j'allais vers mes enfants, je priais pour eux, je les libérais la présence, la puissance de Dieu, qu'ils n'aient pas de cauchemars. Donc en tant que parents, on a besoin de prendre notre place, mais tout ceci, c'est par la grâce de Dieu. Waouh, c'est super tous les conseils que tu donnes de manière pratique, parce que il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas eu cet héritage que tu as, tu le dis, hein, sixième génération de serviteurs de Dieu dans ta famille, cinquième du côté de ta femme. Donc vous avez eu quand même des modèles, des exemples. Mais certaines personnes nous écoutent, ce sont les premiers de leur famille, autant d'un côté que de l'autre, à suivre le Seigneur. Et là, tu partages un peu de ton expérience et c'est riche, c'est très très riche. Et Jean-Luc, dans la vie de couple aussi, on a besoin de cette grâce de Dieu. Absolument. L'amour, c'est fantastique, mais c'est ce que je viens de dire avant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des saisons aussi. Quand on passe des saisons de tempête, bah, c'est
pas facile pour l'un et l'autre. Mmh. Et puis, il y a les tentations, il y a les épreuves diverses qui viennent. Quand on a eu notre dernière fille qu'on a découvert au coin du salon, qui avait perdu la vie, elle était grise comme ceci, elle avait plus de souffle, le cœur s'était arrêté. Eh bien, c'est des épreuves majeures qui secouent le couple. Mmh. Alors, évidemment, la famille en a été secouée. Et pour terminer la petite histoire rapide, Dieu s'est manifesté. J'ai vu son esprit qui quittait son corps. J'ai rappelé son esprit à revenir. Elle a été, alors qu'elle avait été à l'arrêt, en tout cas pendant 15-20 minutes, mon épouse est infirmière, donc c'est pas moi qui exagère en pensant que c'était la vérité. Mmh. Son esprit est revenu, elle a repris vie. Mais ensuite, on s'est rendu compte qu'elle avait une maladie orpheline. Et ça a été une épreuve dans notre vie de couple aussi, où, il y a les pressions, les tensions, et on a besoin de cette grâce de Dieu. Après, je pense aussi, c'est dans cette grâce qu'il faut vraiment cultiver, entre autres, le jardin de l'amour. Mm-hmm. Je pense que la vie de couple, c'est comme un jardin. Si on laisse la mauvaise herbe venir, elle va prendre le dessus. Même si c'est de la mauvaise herbe. C'est vrai. Donc il faut enlever chaque petite mauvaise herbe, des fois aller à la main, et il faut veiller que vraiment il y ait l'amour qui réside dans le cadre de son couple. Et puis encore, jusqu'à la dernière heure, il faut qu'on veille de ne pas tomber, que celui, la Bible dit, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mm-hmm. Et par exemple, je suis souvent en voyage, c'est vraiment je dis, Seigneur, ok, on a besoin de ta grâce, mais en même temps, il faut y veiller, c'est pas juste parce qu'il y a la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Donc, je sais, entre autres, de faire des voyages pas trop longs. Le voyage que je fais actuellement, il est un peu plus long que d'habitude. Mais normalement, le lundi, je suis à la maison et c'est mon temps que je prends avec mon épouse. La même chose par rapport à mes enfants. Même que je voyageais, mais je faisais toujours ceci, c'est durant la semaine, j'avais une soirée couple. Mm-hmm. Où c'était sans les enfants, sans des amis, c'était une soirée de 18h à plus tard, c'était un temps où je prenais avec mon épouse. Et on essayait d'avoir du fun, de manger quelque chose qui nous fait plaisir, ou d'aller au restaurant, ou de regarder quelque chose, mais surtout de passer du temps, d'échanger, de partager, de cultiver cette relation. Mm-hmm. Une fois par semaine, ça semble peu, mais c'est déjà énorme. Ouais. Tout le reste, c'est du bénéfice. Mais oui. Et la même chose pour les enfants. Une fois par semaine, on avait une soirée, et on l'a toujours, une soirée famille. Mm-hmm. Puis chacun de nos enfants pouvait choisir ce qu'il voulait faire. Alors, quand ils étaient petits, c'est sûr, c'était souvent le McDonald's. Petite pute pour McDo. Merci de soutenir NCI. Amen. Certains autres, ils voulaient faire du scooter, ou aller me promener, ou faire des jeux. Wow. Et puis surtout d'entretenir une atmosphère de paix et de joie. Mm. On n'a pas toujours réussi, je dois l'avouer, parce que la pression, on avait des affaires aussi, les entreprises, le ministère. Mm. Puis des fois, il y a juste des pressions diaboliques qui sont là. Bah oui, bah oui. Et quand ils sont là, réels, par la grâce de Dieu, ils nous donnent le discernement des esprits. Mm. Oui. Et des fois, c'est en famille, il faut juste simplement plier le genou. On l'a fait plusieurs fois en famille, en disant quelque chose s'est passé, on a commencé à se crier les uns sur les autres, puis ça dure maintenant depuis quelques jours, juste pliant le genou, plusieurs fois, ensemble en famille, on pose le genou, on crie à Dieu, on dit, Seigneur, on a besoin de toi, pardonne-nous nos éclats de colère, nos méchancetés, change notre cœur, et Seigneur, fais-nous grâce, on a besoin de ta grâce. Et puis, je pense à un ingrédient aussi essentiel, c'est le pardon. C'est sûr. Même si on s'aime, mais on se blesse, on se fait du tort, tout d'un coup, il y a une parole inappropriée qui sort, ou bien aussi, on a des façons de faire, de recevoir, chacun est différent. Puis là, ce qui est important, notamment puisqu'on parler du couple, c'est de demander pardon. Jamais croire qu'on a raison. Ma femme m'a dit souvent ceci, elle m'a dit, t'as raison, mais pas autant que tu crois. C'est une jolie façon de dire que t'as pas raison. et Jean-Luc, on peut passer peut-être à la suite, celui sur l'éducation des enfants qui est important aussi, d'autant plus maintenant que vous avez un petit-fils qui est né, un petit-fils, c'est ça, c'est un garçon. Oui. Hein. Donc Carl là, Wesley. Carl Wesley, c'est très classe. Ta fille qui a donc épousé ton gendre ont eu un enfant. Eux, à leur tour, ils vont devoir éduquer cet enfant et leurs prochains enfants, leurs trois autres apparemment. comment tu t'y es pris dans l'éducation des enfants? Donc, on l'a dit, on a besoin de la grâce de Dieu. Mais est-ce que justement, il y a des choses particulières à faire pour que cette grâce puisse se manifester de façon particulière dans cette éducation? Alors là, tu parles d'un sujet vraiment très délicat parce qu'il y a certaines choses qu'on trouve dans la parole de Dieu qui sont
sont devenus anti-règles, anti-loi. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, il faut vraiment être prudent pour ne pas se retrouver dans des soucis, dans une tension. Oui. Avec mon épouse, on a toujours pris la parole de Dieu comme notre base pour notre vie économique, notre vie professionnelle, mais aussi pour la vie de l'éducation. Et on a plongé nos regards là-dedans et on essaye de notre mieux de faire ce que la Bible dit et préconise. Mmh. Dans tous les cas, la base même, c'est de pouvoir déposer dans le cœur de l'enfant, aussi petit qu'il est, de déposer les principes du royaume de Dieu et de sa parole. Il nous le promet que si on met dans le cœur de l'enfant cette parole de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, il nous promet qu'il ne s'en éloignera point quand il sera plus âgé. Mm-hmm. Alors il y a des détours, hein, il y a certaines crises, je l'ai vécu avec mes enfants, mais dans la réalité, ils reviennent toujours parce que ce qui a été posé quand ils étaient enfants, ça demeure. Amen. Mais de nouveau, on a besoin de la grâce de Dieu. Mm. C'est clair. Absolument, c'est mm-hmm. sûr. Mm-hmm. Et je me tourne juste un instant vers Anne, parce que ouais. tu es une maman de trois filles qui, elles ouais. aussi, tu sais, sont ouais. adultes maintenant. Ouais. Toi, c'est des choses que tu as vues, la nécessité de que la grâce de Dieu se manifeste ? Ah ben oui, particulièrement, puis d'autant plus que ben, on n'est pas des parents parfaits. Et là, tout à l'heure, tu disais, bon, tu sais, ben, des fois, tu es issu d'une sixième génération de chrétiens, mais mm-hmm. c'est pas le cas de tout le monde. Non, mm-hmm. Et ben, du tout. En tout cas, dans notre cas personnel, j'ai mon mari qui est issu de la 15e génération de chrétiens, 20e génération de chrétiens, puis moi, je suis la première. Oui. Mmh. Et donc, il y a des choses qui ont été ancrées dès notre enfance, des schémas de comportements familiaux mmh. qu'on doit complètement remettre en question et mettre à nu devant Dieu quand on devient parent et qu'on n'est pas issu de ce contexte-là. Mmh. Et donc, on doit réapprendre des choses. Et justement, ben Jean-Luc disait, ben les principes de Dieu, on doit les inculquer, on doit les instiller dans le cœur de nos enfants des petits, mais il faut déjà qu'on les ait nous-mêmes. Mmh. Et c'est encore plus difficile quand on se convertit, que les enfants sont déjà nés, mmh. ou qu'on est tout jeune converti quand on est maman ou papa. C'est vrai. Et donc, je pense qu'il y a un effort particulier à faire, et puis on a besoin de la grâce de Dieu pour comprendre les choses, mmh. pour les assimiler rapidement avant qu'il soit trop tard, parce que quand les enfants ont 20 ans, c'est trop tard. Mmh. Donc, on a un défi quand on n'est pas issu comme ça de familles privilégiées qui ont connu le Seigneur. Mm-hmm. On doit faire se rendre compte qu'on a des lacunes mm-hmm. et puis avoir l'honnêteté, la transparence devant Dieu de dire ben Seigneur, je veux bien remettre en question tous mes schémas de fonctionnement pour que tu remettes tout d'aplomb. Mmh, mmh. Et ça demande de l'humilité, ça demande aussi de prendre le temps de se placer devant Dieu pour ça précisément. Oui. Parce qu'il ne faut pas croire qu'élever un enfant, c'est facile. Non. Et si on veut encore les élever selon les principes du royaume, il faut encore plus la grâce de Dieu. C'est vrai. Et puis aussi, quand on fait des gaffes, parce qu'on en fait, mmh. et d'autant plus quand on n'a pas eu cette éducation chrétienne, on fait des gaffes, les reconnaître, demander pardon, se repentir, et puis essayer de corriger. Mmh, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Et Jean-Luc, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le ministère, parce que tu es dans le ministère depuis toujours, on va dire, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Tes enfants t'ont vu grandir dans le ministère. Est-ce que tu les as inclus dans le ministère ? C'est-à-dire que, est-ce que tu les as gardés en dehors ? Il y avait le ministère, il se passe d'un côté, tu arrives à la maison, tu partages pas forcément, ou est-ce que tu les as inclus dans ce que tu vivais ? Ils ont été participants avec ça ? C'est une bonne question. Je les ai inclus, nous les avons inclus avec mon épouse concernant la bénédiction et les belles choses. Mm-hmm. Parce qu'on pense que dans le ministère, tout est rose, tout est fantastique, c'est le paradis. Hein? C'est pas tout à fait ça. On est des êtres humains et il y a des défis. La même chose pour la famille. Oui. Beaucoup qui nous regardent pensent que la famille Jean-Luc Traxel, c'est fantastique, tout est parfait. Non, je vous rassure, chaque être humain a des déchets. Mm-hmm. Il crée des déchets. C'est et ça sent mauvais bien des fois. Donc ça n'existe pas, la famille parfaite. La famille, Instagram, les réseaux sociaux que vous allez voir, où on a le sourire. Ouais. Oui, c'est une partie, c'est vrai. Et je crois la parole qui a été dite, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le Seigneur nous promet ceci. Et honnêtement, je suis béni. On a une famille où il y a le bonheur. On a du bonheur d'être ensemble, on a de la joie. Mais le nombre de fois où on a eu des soucis, des problèmes, des problèmes relationnels, des choses où on ne sait pas quoi faire. Et alors, c'est vrai que les enfants, je les ai amenés au goût du ministère dans le sens que des bébés, ma
fille, elle avait 2 jours, je l'ai pris avec moi dans une des grandes campagnes où on était dans un stade. Des bébés directement baignés dans l'onction du Saint-Esprit. En plus, il y a Kenneth Hagin qui était là. C'était fantastique, elle a été bénie là-dedans. Puis après, on se dit, oui, mais il faut qu'ils aient une garderie spéciale. J'ai rien contre les garderies, mais quand ils sont plongés dans la gloire, la présence de Dieu, mes enfants, des gamins, des tout petits, ils ont vu les miracles, ils ont vu les guérisons. Ils croient aujourd'hui, au fait, ils croient que c'est pas possible, que ça n'existe pas. C'est pour eux, c'est juste naturel. Ce qui est surnaturel pour certains, pour eux, c'est naturel de voir des miracles, des guérisons. La même chose, la faim et la soif de la présence, qui est l'ingrédient même, eh bien, on l'a développé pas simplement dans les réunions à l'église, et ça, c'est ce qu'on a essaye aussi, c'est pas de diviser le côté ministère où il y a l'église, il y a le ministère, puis la famille et on fait ce qu'on veut. Non. Dieu est avec nous au travail, aux entreprises, il nous demande de travailler, ça aussi, beaucoup pensent que c'est juste d'être là dans la présence. Non, le travail est une bénédiction. Amen. Et travailler, c'est transpirer, c'est pas juste les bras croisés. Et d'amener ceci, cette atmosphère du ciel dans le naturel, dans notre quotidien. Et on va à l'église, ça c'est aussi une des choses, j'ai toujours dit... Ouais. Ok, il faut pas être religieux, faut pas être légaliste, mais il y a des principes qui nous gardent. Mm-hmm. Donc, allons au culte tous les dimanches ou à la messe pour ceux qui vont à la messe. Mm-hmm. Ça fait partie d'une bonne tradition. Mm-hmm. Beaucoup disent aujourd'hui, ah mais il faut plus de tradition. Non, on s'éloigne du mauvais chemin là. Mm-hmm. Il y a des bonnes traditions qu'il faut garder. Mm-hmm. De prier avant le repas, c'est une bonne tradition. Mm-hmm. D'ouvrir la Bible tous les jours, c'est une excellente tradition qui d'ailleurs est vitale. Mm-hmm. D'aller au culte tous les dimanches, même si on était tard au lit la nuit passée, ça force peut-être de rentrer un petit peu plus vite de la fête pour aller au culte. Mm-hmm. Puis après, on n'a peut-être pas ouvert la Bible tous les jours, la grâce de Dieu est là. Mm-hmm. On n'a peut-être pas été au culte tous les jours, la grâce de Dieu est là. On n'a pas toujours fait tout juste, la grâce de Dieu est là, mais on essaie de faire de notre mieux. Mmh. Et une toute dernière chose, c'est presque fini, mais dans ton livre, Dans les coulisses d'un miracle, je me souviens avoir lu un passage où tu racontes quand tu étais enfant, que tu te souviens, tu dessinais sous les chaises de tes parents pendant le culte, et tu baignais dans l'atmosphère du ciel. Et en tant que parent, on veut des fois montrer une bonne image et on s'attend à ce que nos enfants soient assis pendant le culte, pendant la louange, qu'ils lèvent les mains avec nous et puis qu'ils vivent, qu'ils boivent les paroles du prédicateur. Quand tu étais en train de dessiner, on a l'impression que tu étais complètement déconnecté, mais tu recevais quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que tu peux juste nous dire un petit mot par rapport à ça en tant que parent, pour tous ceux qui ont cette pression de se dire « mon enfant, il faut à tout prix qu'il vive quelque chose à l'église ». Je vais répondre rapidement parce que j'aimerais prier pour ceux qui nous regardent, si c'est possible. Bien sûr. Effectivement, on était là, ils nous ont laissé à rester et être enfant. Mm-hmm. Et j'encourage les parents à ne pas faire des enfants, des adultes. Il faut que chaque période de la vie, on puisse les passer. Et puis là, en dessinant, l'onction de Dieu était là, était présente. Mm-hmm. Et si c'est possible, j'aimerais prier pour les Bien personnes. Sûr. J'aimerais m'adresser à tous ceux qui nous regardent. Si ça vous semble tout facile, ça juste coule, c'est la grâce de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle est pour vous. Mm-hmm. Peut-être vous n'avez pas vécu une famille heureuse, vous étiez dans des difficultés. On aimerait prier pour vous, mm-hmm. pour que Dieu puisse restaurer votre cœur brisé et qu'il puisse pourvoir pour que vous puissiez créer, fonder une bonne famille. Mm-hmm. Je vois plusieurs personnes qui sont dans le désespoir parce que vous ne trouvez pas un conjoint. Mm-hmm. J'ai une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est surabondante et il va pourvoir à tous vos besoins. Et c'est ce qu'il a été dit, on l'a lu dans Hébreux 4, 16. Pour obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Eh bien, là où vous êtes aujourd'hui, si vous criez à Dieu pour être secouru dans vos besoins, que ça soit dans les besoins sexuels, la sexualité est quelque chose d'essentiel. Oh, Dieu l'a créé, c'est pas quelque chose de mauvais, d'impur. Oui, si on le vit mal, il y a de l'impureté, mais il y a des plans de Dieu extraordinaires pour avoir une vie de sexualité épanouie selon le plan de Dieu. La même chose, la grâce de Dieu veut couler dans votre vie pour que vous puissiez fonder une famille, avoir un couple heureux, épanoui, et on veut prier pour vous. Là où vous êtes, Seigneur, nous remercions pour cette miséricorde, cette grâce, et nous nous approchons de ton trône de grâce et te demandons de venir secourir ceux qui nous regardent, de nous secourir dans nos limites humaines et de déverser ta puissance, ton onction, ta faveur, afin que les couples qui nous regardent puissent être bénis. Nous lions tout esprit de division, divorce, dissension, toute puissance
puissance mauvaise, esprit de colère. Il y a une personne qui est prise par des esprits, des excès de colère. C'est un esprit. En cet instant, dans le nom de Jésus, je lis ces esprits de colère qui agitent et qui créent des troubles dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ, sois libéré. Et nous invoquons et libérons la puissance du Saint-Esprit maintenant, qui puisse envahir, restaurer, qui doit être restauré dans vos relations avec, entre générations, vos enfants ou vos parents, que la grâce puisse couler dans le nom de Jésus et que la guérison soit. Et je déclare sur vos vies la parole de Dieu, que le bonheur et la grâce vous accompagneront dans le nom de Jésus. Amen. Merci infiniment, Jean-Luc. Cette rubrique était magnifique et puis elle donne de l'espoir, surtout, parce que malgré nos faiblesses, la grâce de Dieu est là pour rattraper le coup, en fin de compte. Amen. Merci beaucoup. Jean-Luc, je l'ai dit, on te retrouve jeudi, mais nous, on se retrouve demain. Demain, nous aurons... notre thème sera les dégâts que font les secrets de famille. Et les secrets de famille, c'est terrible. On va en parler, on va voir comment sortir de ces secrets de famille aussi. Et nous aurons donc la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et Culture et Média. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Soyez bénis et fortifiés. Et surtout, bonjour chez vous.